Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne How to Draw. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner le personnage Harley dans Dr. Slump. Donc, je vais sélectionner mon petit crayon. On va commencer par le visage. Un petit trait ici, un autre de l'autre côté. Les yeux bien ronds. La même chose de l'autre côté. Voilà, un autre, le reflet, l'autre reflet, le petit nez. Donc là, sur ce dessin, elle est joyeuse, comme toujours. Donc on va lui dessiner sa petite main ici. Donc l'autre ici. Voilà. On va fermer le menton ici et on va dessiner sa bouche. Voilà. Les dents. Voilà. La petite langue ici. Son bras là. Et la même chose de l'autre côté. Son t-shirt, voilà. Voilà, les petits plis. La même chose de l'autre côté. Voilà. La petite salopette là. La poche de la salopette. Alors, je vais descendre un peu mon dessin pour pouvoir dessiner les cheveux. Si j'arrive à la tout sélectionner, ça serait bien. Alors, donc, on va attaquer les cheveux. Des petits traits. L'autre partie des cheveux de ce côté et la même chose ici. Les oreilles. Voilà. La même chose de l'autre côté. Le petit détail dans les oreilles. Ses lunettes. On va recommencer, c'est un peu trop collé aux yeux. Faut faire sortir. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Les branches de lunettes. Voilà, le petit raccord ici. Ensuite, elle a une petite casquette. Donc, faire la visière. Un deuxième niveau ici. Les cheveux. Les cheveux. Des petites ailes au niveau de sa casquette. La même chose de l'autre côté. Le haut de la casquette.
Et le sigle en haut. Voilà. Les cils au niveau des yeux. Voilà. Je vais juste agrandir un peu le dessin. Voilà, on va colorier l'intérieur des yeux et de la bouche. Donc, je vais sélectionner mon petit crayon. Donc, la pupille de l'œil droit, la pupille sur l'œil gauche. Voilà, l'intérieur de la bouche également. Je vais changer ma pointe. Voilà, n'hésitez pas à le faire en même temps. Voilà, ça fait ressortir les yeux et la bouche. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va aussi teindre à l'intérieur ici. Je sais pas si je peux le passer comme ça. Non, ça marche pas. Changer la pointe pour aller plus vite. Voilà. Une fois que c'est fait, on va écrire à l'intérieur son prénom. Donc, A. Allez. Comme ça, c'est assez fidèle au dessin d'origine et il manque sa petite cravate qu'on va dessiner ici. Voilà, là, une petite cravate qu'on va teindre aussi en noir. Et le dessin est quasiment fini. Je vais même l'enlever, finalement. Pas besoin de colorier. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, nous avons fini ce dessin. J'espère que il vous a plu. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Voilà, bon courage, à plus.